On est toujours à Auteuil avec un jockey, un ancien jockey, Jacob Pritchard-Ward, à qui il est arrivé beaucoup de choses. Bonjour Jacob. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux rappeler un peu quel a été ton parcours pour venir en France et qu'est-ce qui t'est arrivé après en course? Oui, j'arrive en France l'année dernière. Je travaille pour M. Alain Couture et après j'ai changé pour M. Emmanuel Cléu où j'ai commencé à monter professionnel. J'ai 60 courses en France et le dernier, j'ai chuté en Auteuil le 23 juin. Après, parce que la chute, j'ai cassé mon cervical et mes T4 et T6. Et maintenant, je suis paraplégique. Et je fais la rééducation en gauche maintenant. Et je suis chanceux pour aller à Auteuil aujourd'hui. Et alors justement, maintenant que tu es dans cette situation tragique, tu as besoin d'aide, c'est ce pourquoi nous t'interviewons, parce qu'il y a un site pour des auctions, donc des enchères. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça se passe? Oui, mon ami fait les auctions, commence les auctions pour moi, où tu peux donner l'argent pour aider moi avec le fauteuil, adapter ma maison. Il y a aussi un auction où tu peux acheter les choses. Par exemple, il y a deux billets pour l'Arc de Triomphe l'année prochaine. Il y a la photo de Tawana pour M. Dermot Weld aussi. Et c'est pour le prochain mois. Tu peux acheter ça si tu veux. C'est l'argent pour aider moi aussi. D'accord, très bien. Et alors, une question un peu plus personnelle. Moi je trouve ça personnellement beau que tu aies chuté ici. Comment tu trouves l'envie et le courage de revenir ici, justement, alors que toi, tu ne peux plus monter? Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? C'est facile pour moi parce que j'adore le cheval. Et si j'ai beaucoup de amis ici, le autre jockey, c'est très gentil avec moi, le visiter moi dans l'hôpital, Félix de Gilles et James Rivley. Et c'est aujourd'hui, c'est mon amie Louise Carbery a gagné le Grand Steep. Et pour moi, pour voir elle gagner ça, c'est la meilleure chose dans le monde. C'est bon pour mon moral et pour continuer à travailler et voir le cheval. Et c'est meilleur ici comme l'hôpital. Merci Jacob et bon courage. Et nous vous donnerons donc tous les détails sur ces enchères pour aider Jacob Pritchard-Webb dans l'article qui va suivre. Merci.